Bonjour, je suis Valérie Grimbert, directrice de l'association Lys Sans Frontières. La région Hauts-de-France va être labellisée en 2023 Région européenne de la gastronomie. C'est pour nous l'opportunité de mettre en valeur les brasseurs du territoire de la vallée de la Lys et de vous faire découvrir leurs produits. Alors vous allez pouvoir découvrir ces 6 brasseurs au travers de 2 formats complètement différents. Le premier format qui est la Lys en bouteille. En fait, on va vous emmener à l'intérieur des brasseries, découvrir les procédés de fabrication, l'histoire de la brasserie à travers les âges. Et puis, nous avons choisi un format un petit peu plus insolite, un petit peu plus drôle, pour partir à la rencontre des hommes, à la rencontre des brasseurs. Et là, nous avons choisi le format Brass and Curious. Alors à partir de la semaine prochaine, nous allons mettre chaque semaine en avant une brasserie. Vous allez donc pouvoir découvrir chaque mardi l'histoire d'une brasserie à travers nos épisodes de la Lys en bouteille. Et puis chaque jeudi, nous partirons à la rencontre des brasseurs à travers le format de Brass and Curious qui vous promet des anecdotes de choix. Pour cette saison 2022, nous vous avons créé une bière qui s'appelle Lys is Love. C'est une blonde au léger goût de mûre que vous pouvez découvrir sur le site Cap sur la rivière d'or de Lys sans frontières. Si vous souhaitez également la déguster et la goûter, vous pouvez participer à notre jeu concours sur Facebook. Et surtout, puisque nous sommes dans la biérologie, inscrivez-vous pour nos ateliers de zytologie qui se dérouleront à la Gorgue à la fin du mois. Venez-y nombreux. Si l'histoire de la biérologie dans la vallée de la Lys vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer à nos différents épisodes. Et surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à nous expliquer laquelle de ces brasseries vous intéresse le plus. Passez un bel été dans la vallée de la Lys.